Scientist et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle actu scientifique, donc ça sera une actu technologique de août 2014. Donc pourquoi technologique? Parce qu'on a eu pas mal de technologies donc ces derniers mois, donc on va commencer tout de suite. Alors donc on va commencer par l'iPhone 6. Donc d'après le site web iPhone Addict, que vous connaissez d'ailleurs sûrement, l'iPhone 6 sortira deux jours après la keynote d'Apple. La keynote s'appelle WWDC, qui sortira le 8 septembre, normalement. Donc l'iPhone 6 sortira le 10 septembre, après avec les maths, parce qu'en fait, à chaque fois, le nouvel iPhone sort 100 jours après les OS. Donc vu que l'iOS 8 est sorti, je sais plus quand, mais 100 jours avant mercredi 10 septembre. Donc l'iPhone 6 sortira normalement, si iPhone Addict a bien calculé, le 10. Après on va passer avec Beats Music. Donc Apple l'a racheté pour un prix de 3 milliards de dollars. Donc Apple a même créé une page sur son site web consacrée à Beats Music. De même, Beats Music a créé une page sur son site web pour Apple. Voilà. Donc on a un nouveau nom de domaine pour la Team The Scientist. Un nom de domaine hébergé par Webnode. Le nouveau site c'est donc the-scientist.fr. Donc l'ancien the-scientist2.webnode.fr, ça fonctionne quand même. C'est la même chose en fait. Allez, regardez. Donc ensuite on va avoir des iPads avec Touch ID, d'après iPhone Addict toujours, donc le site des accros de l'iPhone c'est iPhone Addict, et ils pensent que les prochains iPads auront leur bouton principal avec le capteur d'empreinte digitale prénommé Touch ID. Et enfin Microsoft sur la 5ème avenue, c'est possible parce que Microsoft, pour concurrencer Apple, veut s'installer sur la 5ème avenue à New York. Bye, c'était The Scientist pour cette actu scientifique. Et puis, à la prochaine!